pourquoi consulter un psychologue de couple? Pourquoi faire une démarche de coaching ou de psychothérapie par rapport à votre relation de couple? Alors, bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille ici à mon cabinet près de Lyon, mais également à distance à travers mes accompagnements et mes coachings que je fais depuis de nombreuses années. Alors, pourquoi consulter un psychologue de couple? Alors déjà, la première chose, c'est que si vous vous posez la question, c'est qu'en général, il est temps d'agir. C'est qu'en général, il est temps de faire ce premier pas. Premier pas qui n'est pas évident, qui est difficile, qui demande un certain courage, on va dire, mais en même temps qui peut être absolument décisif et déterminant pour faire évoluer votre dynamique de couple et aller vers une relation qui soit beaucoup plus nourrissante et épanouissante pour vous. Ce que j'aime à dire, c'est qu'en réalité, si vous vous posez la question et que cette question revient plus de 3 fois, c'est que vraiment, c'est le signe que cette démarche est la bonne pour vous. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui amène les couples à consulter et à faire une démarche de travail de couple? Alors très souvent, il y a différentes problématiques que les couples vont rencontrer et qui peuvent être vraiment résolues de façon pertinente ou en tout cas dépassées, mieux comprises et en fait mieux vécues pour pouvoir avoir une relation qui fonctionne. La première chose, c'est tout ce qui a trait à l'infidélité. Ça, c'est quelque chose qui revient constamment dans mon cabinet, les couples vont consulter beaucoup pour cette problématique et ça peut être une infidélité qui vient juste d'éclater et on est en pleine crise autour de l'infidélité, mais ça peut être une infidélité beaucoup plus ancienne et le couple, dans ce cas de figure, s'est rendu compte après des années qu'il continue à piétiner, que cette problématique continue à revenir sur le tapis et qu'en réalité, ils n'ont pas fait le cheminement et n'ont pas fait le processus pour leur permettre de démarrer sur une nouvelle base. Il y a également tout ce qui a trait aux crises de couple. Quand on est dans une difficulté qui a trait parfois une crise qui est une crise de couple, mais parfois une crise individuelle qui s'est muée en crise de couple, eh bien le fait d'aller chercher une aide compétente, une aide professionnelle, va véritablement vous permettre de mieux vous comprendre, de sortir de la crise et de mettre en place les éléments essentiels pour ne pas retomber dans la crise, ou en tout cas pour ne pas avoir des crises qui soient constamment récurrentes. Et puis, il peut y avoir aussi des blocages dans le couple, des toutes sortes de blocages qui vont avoir trait à des blessures individuelles, des blessures liées aux enfances et à l'enfance respective ou à des premières relations qui ont été difficiles, douloureuses. Il peut y avoir des blocages autour de la communication et là ils sont très nombreux et ils ont toutes sortes de formes. Ça peut être des impasses de communication, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à se dire, on n'arrive même plus à se sentir ou parfois on ne se comprend pas, on piétine, on ressasse toujours les mêmes histoires, on ressasse toujours les mêmes choses et là encore, une façon de sortir de ces blocages, c'est d'aller voir un professionnel compétent qui va vous permettre, avec le recul nécessaire, de beaucoup mieux vous comprendre et d'avoir une grille de lecture complètement nouvelle par rapport à votre relation. Une démarche aussi de couple peut être autour du fait de dépasser une épreuve. Tout au long de la vie d'adulte, tout au lieu de la vie de couple, on va rencontrer des épreuves. Ces épreuves, ça peut être un burn-out, ça peut être une addiction, ça peut être une maladie, ça peut être un licenciement, ça peut être des difficultés autour de l'éducation des enfants ou des difficultés autour d'un enfant qui a des besoins intenses ou des besoins particuliers. Ça peut être des épreuves autour des relations avec les belles familles, avec la famille d'origine, ça peut être des difficultés autour de la famille recomposée. Toutes ces épreuves sont absolument difficiles à dépasser quand on est dans notre vie actuelle d'adulte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à être en relation, on n'a pas appris à être en couple et qu'il est donc important de se faire coacher, de se faire accompagner pour pouvoir apprendre à les dépasser. En gros, on peut également voir un thérapeute de couple ou un psychologue de couple pour améliorer sa relation. On n'a pas besoin d'être dans souffrance extrême et très souvent, on va avoir beaucoup de clés, beaucoup de choses qui vont nous permettre d'être encore mieux dans notre relation de couple. Bref, ce type d'accompagnement à partir du moment où vous êtes tous les deux partants
Et même si vous avez des motivations qui sont différentes, il y a un degré d'intensité dans la motivation qui est différente, faites le pas, allez-y, parce que vous allez apprendre beaucoup sur vous, vous allez apprendre beaucoup sur votre fonctionnement dans le lien et dans la relation, et vous allez pouvoir avancer de façon très concrète. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo, et puis à me commenter, à me parler de votre expérience, peut-être difficile, peut-être très positive, dans la façon dont vous êtes fait accompagner ou dans votre difficulté à appréhender cet accompagnement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.